arrivée sur Banyuls pour comprendre un petit peu ton travail, voir de visu. Donc après, tu nous montreras ton atelier. Bien sûr, on circulera dans la maison, dehors. Voilà. Et en fait, les questions qui me brûlaient les lèvres, c'était comment t'es venue cette envie du pastel, cette matière du pastel. Et oui, c'est arrivé doucement de toute façon. C'est arrivé d'abord la peinture sur toile, acrylique notamment. Et ensuite, ça a été le crayon de couleur quand même. Il y avait déjà l'envie d'aller directement sur la feuille sans intermédiaire d'un pinceau. Ouais. Pendant des années, je travaillais au crayon de couleur. Ça a dû durer peut-être une dizaine d'années quand même au crayon de couleur. Et petit à petit, je me sentais limitée en surface avec le crayon de couleur, limitée par la matière. Mais en mêlant le crayon pastel, qui est comme un crayon de couleur, la même forme et tout, je te l'ai montré tout à l'heure, mais à l'intérieur, c'est un pastel durci. Je travaille beaucoup, c'est pour ça que c'est dessiné malgré tout dans mon pastel. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas un pastel à la grosse touche, parce que le pastel bâton ne te permet pas des détails fins, des choses comme ça. Alors là, je travaille avec les deux. C'est-à-dire depuis 2000, je ne fais plus que du pastel. Je suis en nuance de gris et bleu, je suis moins contrastée, disons, dans la couleur. Mais il m'arrive de temps en temps d'avoir envie de rouge, de mettre une tache rouge. La couleur vient, le rapport des tons vient les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est comme pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de mystère à ça. On ne se dit pas, je vais faire du rouge, je vais faire du jaune. Je mets du jaune et après, arrive une couleur qui va s'harmoniser. C'est tout dans ma tête. Ce n'est pas forcément l'harmonie de l'autre. Mais en fait, c'est comme ça. Voilà. Je présume qu'on a dû souvent t'en parler. Le fait que. Chaque fois qu'on regarde tes toiles, on sent une sensualité presque... Oui, souvent, parce que c'est un peu charnel, parce qu'il y a des courbes beaucoup dans mon travail. Donc, les courbes, les arrondis, pas des mystères, mais des choses, des ambiguïtés qui peuvent faire penser... ou à des corps, ou à des même... corps. Oui, j'ai fait beaucoup des fragments de corps. C'était des fragments de corps, mais... pas réaliste, des bouts de corps grossis énormément qui devenaient paysages. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur le corps paysage, surtout, le époque pastel aussi. Mais pendant des années, je travaillais sur le corps paysage. Ah, c'est surprenant d'ailleurs, Oui, j'en ai peut-être pas ici à Banyuls malheureusement, mais j'en ai énormément. J'ai fait pas mal d'expositions, même à Londres, sur le corps, parce qu'il y avait une exposition internationale à Londres, justement sur le corps. Et j'ai un catalogue qui est peut-être là, je vous le montrerai. Ah oui, je veux bien, oui. Là, je regarderai. Parce que là, maintenant, tu es plus parti paysager. Oui, le corps n'est pas présent, mais bon, des fois, il peut pas. Sur une courbe, si je l'insiste un peu, mais bon, je passe. Pour l'instant, je suis dans le paysage du rocher. Il y a souvent un horizon marin, il y a souvent des réminiscences de Bretagne, puisqu'il est breton. Comme moi, il y a peut-être des réminiscences de rochers d'ici, de Banyuls. Une figuration de paysage, comme il peut y avoir une figuration de corps. Mais la vraie abstraction, elle n'est que purement géométrique à ce moment-là. Je suis née à Banyuls. Paris est arrivé beaucoup plus tard, 76 par là. Ensuite, on a voulu repartir. C'était le retour à la terre. C'était l'après 68. Il fallait la nature pour vivre de ces peintures. C'est un gros risque. Non, on le ferait pas. On l'aurait pas fait. Ça aurait obligé des compromis avec certaines galeries. Ça nous aurait gêné psychologiquement, Tout le monde ne pouvait pas être peintre. Ben oui. N'étaient peintres que des gens qui étaient de milieux fortunés et qui avaient l'éducation, parce que l'éducation n'était pas donnée à tout le monde de cette façon, donc on ne pouvait pas peindre si on sortait d'un milieu pauvre, c'était pas possible. Alors que maintenant, tout le monde peut peindre. Oui. Et vous qui travaillez à côté, évidemment, mais il y a des peintres de tous les milieux, et les peintres qu'on connaît ne sont pas que d'un milieu privilégié, financièrement privilégié, je veux dire. Mm-mm. Donc, heureusement, ça a évolué. Ça a évolué. Et toi, tu as commencé à travailler vraiment... Moi, la peinture, ça a dû... dans la fin des années 70, je dirais. Oui. À peu près. Je n'en faisais pas sérieusement. Je ne pouvais pas parce que je travaillais trop. J'avais mon fils qui était jeune. C'est difficile avec les enfants. Donc, j'ai pu vraiment en faire quand il a été plus adolescent. Et là, je m'y suis mis. Et en mettant vraiment à mi-temps, travail à mi-temps. Et tu as des anecdotes dans un vernissage ou dans une exposition, quelque chose d'étonnant peut-être. Il y a des choses étonnantes. C'est une époque où beaucoup de personnes s'intéressent à son travail. Avec tout un côté érotique qui remonte à la surface. Oui, il y en a qui voyaient des choses extraordinaires. J'étais très choquée, je n'ai plus continué, c'est pas possible. Dis-moi qu'il y avait une courbe, il y avait un corps, corps qui disaient... on n'en sortait plus. Alors, il y en a qui voyaient des choses, même un peu choquantes, c'était incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que chez Nadine, quand tu vois les toiles qu'elle faisait,
elle était capable de faire des grandes toiles acryliques. C'est un travail comme ça, c'est fou, un très parce gros, que un très long c'est très long par couche. Parce que tu ne peux pas obtenir avec de la peinture acrylique l'effet de la peinture à l'huile. Là, je le faisais à la peinture acrylique. Donc, tu vois, mais la peinture acrylique va très vite à sécher. Mmh. Donc, c'était des jus successifs et pour donner une profondeur. Donc, mais bon, je m'en suis lassée parce que je me suis lassée plutôt du travail sur la toile. D'accord. Ça, c'est parce que la toile, il y en a beaucoup, parce que la toile est récente dans l'histoire de la peinture. Hein. Oui. C'était le bois, c'était le papier. Oui. La toile est arrivée tardivement. Mais ce côté mou qui s'enfonce, ça ne m'allait pas du tout parce que j'avais besoin de forcer, d'appuyer. Donc, je suis revenue au papier. Et la toile, bien je l'ai vite assez. Enfin, vite assez. Non, j'ai peint longtemps sur toile, hein, Jean-Marc. Je pense que j'ai... Il y a des collectionneurs que d'œuvres sur papier. Et on en a connu qu'un des collectionneurs extraordinaires de tous les peintres hein, sur papier. Non, le papier a toujours duré. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, c'est un problème de société, puisque les sociétés orientales chinoises, c'est Pas du papier. C'est superbe. Japonais. Non, il y a eu une mode de la toile, en fait. Ah, merci, Jean-Marc. Voilà l'intervention de Jean-Marc. Ouais, oui, c'est amusant. Eh ben écoute, vraiment, nous on est ravis en tout cas que tu puisses je venir. Sais pas si j'ai expliqué ça de façon. Ah en si fait, j'ai la passion qui me porte quand même, hein, j'y crois. Ah, j'aime ce que je fais et puis bon, j'essaie de faire ce que je peux et puis surtout essayer d'être, de ne pas ressembler. Ton travail, il est, moi, il nous a beaucoup, enfin, il nous a séduit complètement parce que même si c'est vrai, on ne te connaissait pas. Non. Donc, c'est par l'intermédiaire oui, donc, oui, de bien Guy. Bien sûr, oui. Puis sommes, je suis différente un peu par rapport à eux qui sont tout à fait, ouais, ouais. Plus abstraits, disons, que je ne suis. Hein. Merci Nadine, voilà. En tout cas. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous aussi hein, de vous avoir à la maison. Ben, ouais. Nous aussi. Et de partager surtout, c'est nous, ouais, c'est une bonne chose. Merci Nadine.